Bonjour à tous, c'est Guillaume. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des mots arabes qui sont entrés dans la langue française et que l'on utilise tous les jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'orange. En ancien français, le mot désignait l'orange amère, transmise par les Perses aux Arabes, qui l'importèrent ensuite en Sicile, d'où elle passa au reste de l'Europe méditerranéenne. L'orange douce, quant à elle, importée de Chine par les Portugais, a évincé l'orange amère en héritant de son nom, d'où son nom dans l'arabe moderne, Burtukal, du Portugal donc. On voit ici que les Français utilisent un mot arabe et les Arabes un mot européen pour désigner le même fruit, ce qui témoigne de la richesse des échanges entre les deux cultures. Le mot orange, quant à lui, vient de l'arabe naranj, qui signifie, comme on l'a dit, orange amère. Et comme témoignage de sa bonne intégration dans la langue française, on peut voir le fait qu'il se décline pour former de multiples mots dérivant de lui, tels que l'oranger, dans lequel sont cueillies les oranges, l'orangerie, qui est le lieu fermé où l'on place les orangers pendant l'hiver, l'adjectif orangé, le verbe orangé, l'oranja, qui est une confiture sèche d'écorce d'orange, et encore la boisson, l'orangeade, la confiserie, l'orangette, et l'orangine, qui est une pâtisserie à l'orange. Le mot a fait l'objet de nombreux hommages dans la littérature française et il réveille nos papilles à chaque fois qu'il est évoqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouveau mot.